Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vous parle de la première saison de la série Résurrection, sortie en DVD chez ABC Studios le 10 juin 2014 et mettant en vedette Omar Epps, Frances Fisher, Kurtwood Smith, Matt Craven, Devin Kelly et Lyndon Gimenez. La série est une réappropriation de la série française Les Revenants. Un jeune garçon se réveille en Chine sans savoir comment il est arrivé là. De retour chez lui, il est reconnu comme le fils, décédé depuis 32 ans, d'un couple de la petite communauté d'Arcadia, qui verra ses disparus revenir les uns après les autres. Basé sur une série française, certains avaient un peu d'appréhension face à cette série que beaucoup craignaient trop américanisée. Les premiers épisodes laissent effectivement croire que le tout sera plutôt linéaire et vaguement policier. On se rend vite compte que l'on se trompe pratiquement sur toute la ligne. Non seulement la série part littéralement dans tous les sens sans vouloir tout dévoiler, mais en plus la petite communauté et les événements qui s'y passent créent un contexte parfait pour poser un regard critique sur la société américaine, sa part de l'inconnu, son côté religieux, mais aussi son attachement aux figures du passé et l'importance de la famille. Les acteurs sont tous parfaitement campés dans leur rôle. Particulièrement Frances Fisher, qui incarne la mère du petit Jacob, avec toute la complexité d'une mère qui a réussi à faire le deuil difficile de son enfant, et qui le voit tout de même revenir après 32 ans. La série ne fait que 8 épisodes, ce qui est amplement suffisant pour créer le récit ouvert, mais coupé juste au bon moment, à la fin de la saison. Même si nous sommes habitués à des séries de 13 épisodes maintenant, le rythme plutôt lent de la série ne se porte que très peu à une série de plus de 8 épisodes. Il aurait fallu rajouter de l'action ou des intrigues pour en faire plus long, et ça n'a rien de nécessaire. Le scénario nous tient en haleine jusqu'à la fin, et au moment où l'on se résigne à voir l'histoire tourner autour de quelques événements, c'est l'escalade, et la situation prend des proportions que l'on redoutait depuis le début. Même si la finale est un peu tirée par les cheveux, on laisse la chance à une série qui ne nous a pas déçus. La série est présentée en format d'image 1.78, en anglais Dolby Digital Surround 5.1, avec les sous-titres en anglais, français et espagnol. Dans les suppléments, on retrouve un document où les vedettes de la série partagent leurs théories sur les mystères des revenants. Un document sur la petite ville d'Arcadia, des bloopers et des scènes retirées. En conclusion, je dirais que Résurrection est l'une des meilleures séries dramatiques américaines des dernières années. Loin de la série d'action ou de surnaturel, c'est un portrait souvent touchant avec des événements qui sont plus psychologiques que physiques, et c'est particulièrement rafraîchissant. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.